Vous voyez un couloir qui continue avec une porte. Une porte. Une porte. Oui, je une porte. Je colle mon oreille à la porte. D'ailleurs, toi, Thorin, tu remarques tout de suite, c'est que la porte, elle a pas l'air aussi ancienne que le reste de la mine. C'est et tu vois que le sol est dallé dans ce couloir qui continue. Il y avait rien de spécial dans la pièce, à part la porte. Bah, à part la porte et un sol dallé alors que vous étiez dans une mine. Tu veux quoi d'autre de spécial? C'est bizarre. C'est juste fait. Ça sent le neuf. Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis des dalles dans une mine? Alors, les dalles semblent anciennes, mais... Ah. Mais pas à la porte, c'est ça? Pas à la porte. La porte, par contre, a l'air plus récente. Des ruines. J'écoute à la porte. Tu entends pas mal de bruit de l'autre côté. Quel genre? T'entends... une créature, tu vois, qui est... semble entonner quelque chose, tu comprends pas trop, mais non, il n'y a pas de serrure à la porte. Bon, j'en coche une flèche. Je leur fais signe que j'ai entendu trois, enfin il y avait trois sons, hein. Pourrait difficilement distinguer, mais oui, t'as au moins entendu deux créatures. Deux, ouais. Distinctes. Ok. Je fais signe à Alduin, je monte la porte. Bah... Alors, je me mets en position pour ouvrir la porte devant Alduin. Et moi, je suis juste derrière Alduin. Je prépare mon arc. Ouais, je fais un sandwich. Alors, et tu sens mon souffle au niveau de ton oreille droite. Je suis collé tout contre toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Avant la mort. Ouais. Bon, quelle expérience j'aurais vécu. J'ouvre délicatement la porte. Tu commences à ouvrir la porte. Hein. Déjà, tu remarques qu'il y a de la lumière de l'autre côté. Hein. Alors, tu vois, de la lumière qui semble sûrement provenir de torches ou de lampes. Mais il semble y avoir aussi une lumière verdâtre également. Ça... Malédiction. Semble irradié, mais c'est pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ok. Moi, je l'ouvre totalement, mais toujours très doucement pour pas se faire repérer. Tu ouvres la porte, hein, alors oui, t'essaies de pas te faire repérer, mais ça donne sur une très grande pièce, hein. Bah, vous voyez justement, hein, y a trois orques qui sont là, hein. Ils vous ont vu, clairement, hein. Vous en voyez un qui a l'air un petit peu plus costaud que les autres derrière. Belle bête. Vous voyez aussi une autre créature qui est derrière, ailée. Et vous voyez un homme qui est accroché en fait. Et juste devant cet homme, vous voyez ceci. Et vous voyez la créature ailée qui a devant lui en fait une dague recourbée et un calice. Sentez en fin de compte, hein, ça semble irradier le mal, hein. Quand vous sentez en fait, hein, c'est un mal-être, hein, quand vous arrivez là-dedans, hein, et sale. Vous voyez justement, hein, les orques, hein, les trois premiers orques, hein, qui crient quand ils vous ont vu, et vous voyez la petite créature qui se retourne. Tout le temps, ça. Ça s'est parlé, ça. Et il commence à se saisir de la dague recourbée. Est-ce que je peux lancer une dague sur le démon? Tu peux lancer une dague sur la créature. Tu lances ta dague, hein, mais bon, un peu déstabilisée sûrement, et elle va tomber mollement quelque part dans la pièce. Alors, je vais tirer une flèche sur le gros orc qui charge.
Alors lui, tu vois, pour l'instant, il ne charge pas. Il y a les trois devant vous. Le gros orc ne charge pas. Pas encore. Mais... Donc bah je vais tirer sur le diablotin, alors. Tu touches. Bah je vise le diablotin aussi. Toi, par contre, tu le loupes, hein. Bah moi, je m'interpose face aux trois orques qui arrivent sur nous. Et j'essaie... Enfin, si je peux en taper un. Bah, tu peux les charger, oui, hein, sans problème, hein. Bah, je vais... Tu peux... T'es énervé, en fait, hein, et t'arrives... Oh, le gros tu un net. Et il a eu le temps de rien faire, hein. Et vous voyez le diablotin, en fait, hein, qui pose sa main sur l'orque qui a l'air un peu plus costaud, hein. Et vous voyez l'orque, hein, qui commence à grandir, en fait. Qui... Ses muscles qui commencent à se gonfler. Et il avance d'un pas lent vers vous. Et une large lueur orque. Alors du coup, sur le gros orque qui est en train de gonfler, je vais lancer métal brûlant, mais je vais utiliser un point de mana pour chauffer son arme et son armure. Ok, vas-y. Si ça peut réussir cette fois... Non, ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Il faut... sinon. Bah vas-y, claque un point de... Ouais, je vais claquer un point de magie pour tenter. T'as claqué déjà un point de magie, autant qu'il serve. Ouais. Allez hop. Mais merde! Poisse! Encore! Voilà! Ah! Ouais, il a réussi mon sort au bout de la huitième fois! Et. Ah! Et il lâche en fin de compte, hein, son épée, hein. Et vous voyez, pareil, hein, son armure qui rougeoie. Et rapidement, il est en train de. De la défaire, en fait, hein, pour c'est en train de le brûler. Non, c'est les deux orcs qui sont sur Halloween qui vont attaquer. Oh, oui, non, il touche pas. 22. Il touche pas. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le bruit de l'anus de. Bah non. D'Halloween, bah non, qui se serre. Ça passe pas sa défense. Bah ouais. Il est serré son anus là, il fait. C'est pas passé loin, hein! C'est pas passé loin! Le bouclier qui a vibré, hein! Bah, il a frappé pas, avec mais... une force, hein! Mais. Enfin, ouf! Le truc est les coups, le démon, diable. Meurs, créature, pourriture communiste. Ou pas? Ou pas. Eh ben, point de chance, mon dernier, tiens, allez hop! Do it! Là, ça passe. Dommage pour les dégâts. Mais par contre, tu vois que la flèche rebondit sur lui. Oh la vache. Tu l'as touché, hein, c'est sûr. Mais ça lui a rien fait en dégâts. J'ai donné un coup de rapier sur les orques avec Halloween. Bah, si tu le touches, lui fait pas du bien. Je vise le gros orc, moi. Du coup, tu touches, tu lui fais 3 de dégâts. Ça marche. Bien joué, c'est l'autre. Toi. Halloween. Du coup, je tape le second, pas celui que Mia a tapé. Il est encore debout. Ouais. Bah, ils sont tous les deux mal en point. Alors, je vais lancer un de forme, mais d'abord, à cause de l'épuisement, je dois lancer ça. Voilà. Et je vais utiliser mes derniers points de mana pour enflammer donc l'épée de Mia, enfin la rapière de Mia, l'épée d'Halloween. Et donc. Vos armes qui s'enflamment grâce à Thorin. Alors, il y a un orc qui tente de taper Halloween, hein, mais en fait il se loupe complètement, hein, et il plante son collègue qui est à côté. Oh ! Et il tombe au sol, en fait, hein, il mais l'a non, tué. Mais même les orcs ils kill. Allô. Et vous voyez donc le gros orc, hein, qui a totalement enlevé son armure, hein, et vous voyez la créature ailée qui se saisit maintenant en fin de compte, hein, qui a déjà pris la dague,
qui se saisit en fin de compte du calice, hein, et qui se retourne vers la personne qui est accrochée. Donc je vise entre les deux ailes de cette saloperie qui vole. Tu vas crever, oui ! Il s'enfuit, là ! Faut l'abattre ! Ouais, c'est ce qu'il vous dit, il s'enfuit ! Et il tire la flèche, hein, vous, mais il a pas autant bougé que ça, quand même, hein, t'aurais pu le toucher. moi, je vais tenter une dague à distance, mais je vais viser au niveau de la main pour le faire tomber le calice ou la dague. Hein. Bah, vas-y. Donc, le problème, hein, en fait, hein, t'as mis ta rapière dans ta main gauche, tu prends ta dague, hein, et tu tires, et la dague qui vient se planter, en fait, dans sa main, ça a pas l'air de lui avoir fait beaucoup de dégâts, mais il fait tomber ta dague courbée au sol. Anil. Ouais, et il est loin de nous, l'animal ailé. Bah, il est de l'autre côté de la pièce. Donc oui, quand même. Si j'utilise la voix de Fauve, j'aurai combien de temps pour arriver à lui, à peu près? Il te faudra un round. Bah, j'essaie de courir vers lui avec ma voix. Il y a un gros orque entre toi et lui, hein. Ah oui. Donc il risque de te donner un taquet au passage. Hein. Après, clairement gratuitement en plus. Oui. Bon, j'essaie de lancer une flèche sur le Krukele, mais ça fait rien. Ça ne fait rien, en effet. Ben moi, du coup, normalement, il reste un orc. Oui. En fait, du coup, je le frappe. Oh, dommage. Bah, ah, tu m'as saoulé, toi. Tu me fais chier. Il te dit, en plus, c'est ça qui va t'arriver, toi, là-bas. Surtout, il fait pas 18, il fait 22, parce qu'il y a mes dégâts de feu aussi. Ah oui. Ouais, non, mais il est mort. Oui, mais il est encore plus mort. Il est encore plus mort. On peut pas être plus mort que mort, hein. Tu brûles, en fait. Oui, bah je vais essayer d'aller jusqu'au gros orc, parce que de toute façon il est sur mon chemin, pour lui donner un coup de bâton. Bah vas-y, donne-lui un coup de bâton. Bah vas-y, un coup de bâton. Tiens, prends un coup de bâton. Ouais, tu le frappes bien, hein. Ok, bah essaie de t'attaquer, Thorin. Ça fait un peu bobo quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Il est très gros là, hein. Pouah, il te donne un coup de poing, c'est tanker ce coup, hein. Oui, c'est des DM temporaires. Oui, non, c'est voilà, je les avais mis. Et vous voyez en fait, hein, la créature ailée qui se retourne en fait, hein, et qui commence à psalmodier des choses, hein, et elle disparaît. Et puis là, je peux pas tirer sur de l'invisible. Bon bah vu que ma cible vient de disparaître, il y a ce que cible. Ouais, je vais tirer sur le gros, quoi. Le gros non-orc. Ah, il est un peu trop gros. Saloperie. Donc Mia, Anil. Moi je vais prendre mon tour pour essayer de me déplacer, une petite roulade dans ses, pour passer dans son dos, n'importe de la façon dont il peut. Moi j'ai de pu. Moi je dis Anil va sauver le prêtre. Oui, c'est que je vais faire. Parce que, vu que tu cours vite. Ok, hein, vous voyez Mia qui disparaît dans les ondes. Mais où est-elle? Elle est cachée derrière son doigt. Anil? Bah, vu que le gros est occupé avec... c'est Thorin qui est devant lui, c'est ça? Oui. Bah, moi, je suis au sol, je suis sonné. Ouais, c'est ça, il s'est prêt. Il m'a mis une bonne barre. Bah, hein, moi, j'essaye d'aller vite fait auprès du prêtre. Ok, bah, il essaie quand même de te frapper en passant, hein, malgré tout, hein, y a pas de raison. Hein. Allez, serre les fesses! T'as combien en défense? 15, si je me plante pas. Ah yes. Bah, t'as de la chance. Il essaie de te donner un coup quand tu passes, hein. Tu baisses la tête à ce moment-là, hein, et tu continues de courir, hein. Et c'est vrai que, à nouveau, hein, vous voyez qu'il a quand même une vélocité assez déconcertante, hein, pour un demi-elfe, tout simplement.
Ben, quand je vois que Thorin s'est pris une de ses tanioles de l'orque, je me dirige sur l'orque pour le protéger, hein, pour qu'il m'attaque moi et plus Thorin. Vas-y, attaque. C'est plus de il pousse un cri de douleur, hein. Tu lui as pas fait du bien et... Bah, il a plus rien. Il a rien de... Il est en flamme. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Disons que voilà, vous l'avez déjà foutu à poil. Il va te donner des coups de gourdin. Avec son gourdin personnel, attention. On s'en rappelle sur Warhammer du gourdin, on s'en rappelle. Ah, c'est important d'avoir un beau gourdin. Un beau gourdin. Je suis sonné. Est-ce que je peux lui te redonner un coup de bâton en mode poum. On s'échange les coups. Oui. Avec son armure, tu vois, je pense que ça passe pas. Non, ça ne passe pas. Et lui. Il va attaquer Halloween. Et il me touche. Oh la vache. On donne une torgnole, dis donc la vache. Bah, putain, heureusement qu'il a plus son épée, parce que putain. Du coup, là, ça va dans dégâts temporaires, c'est ça? C'est ça, dégâts temporaires. J'essaie de viser une partie molle de ce gros orc. Apparemment, la partie molle que t'as voulu viser, elle t'a pas plu et. Ouais, t'es. Non, t'es là! Oh mon dieu! Oh, Burk! Ça a grossi! Je suis quelqu'un de sensible, moi. Mia, t'es dans son dos. Eh ben, attaque sournoise. Backstab! Ouais. Backstab! Et en fait, plantin là! La rapière, et il tombe en avant. Alduin, toi, tout de suite, hein, tu te mets sur le côté, et il tombe à côté de toi. Hein. Mort. Oui, Thorin, j'ai un ça va. Alors, vu qu'il a grandi, t'étais à hauteur de... Oh. Et une rapière dans le cul. En train de libérer, justement, la personne qui était capturée. Derrière. Moi, je scrute en l'air pour voir s'il réapparaît pas. Fais-moi un jet de sagesse. Ouais, bah, il a disparu. Il a disparu. Il a juste disparu, donc il s'est rendu invisible ou quelque chose dans ce genre. Je cherche aussi. Sans sa présence, il est quelque part. Moi, je vois rien. Il est parti, mais voyons, qu'est-ce Il est encore là, je le sens. Vous dites n'importe quoi. Oh. Cher la bien d'elle. Tenter, t'entends des mouvements d'air, hein, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est autre chose? Tu saurais pas dire, hein. Vous entendez juste les bruits de rats proviennent du couloir où vous êtes arrivé. On aurait pu fermer la porte. Comme ça, on savait s'il était encore dans la pièce. En plein combat, c'est... Bon. Ouais, non. Surtout que, bon, vu que il y avait Dorian encore, plus ou moins dans l'encadrement de la porte. Je pense que tu l'aurais senti passer si t'es passé à côté de toi. Sentais aucune présence, en tout cas. Je suis sûr de qui vive. Est-ce que le prêtre est encore en vie? Il est encore en vie. Très faible, mais il est encore en vie. Et à ses pieds, vous voyez cette dague, hein, recourbée, qu'a laissé derrière lui la créature ailée. Thorin, t'en penses quoi de cette dague? Effectivement, j'ai ce que j'ai dit. Je la prends. Tu vois qu'il y a des signes un petit peu bizarres, cabalistiques dessus. Toi, ça ne te dit rien. Mais bon, l'air d'être sacrificiel. Non, tu aurais pas en dire plus, hein. Peut-être que quelqu'un... J'ai jamais vu ça avant. L'hôtel, hein, c'est vraiment un hôtel assez basique, en pierre. Hein, y a rien de particulier au niveau de l'hôtel. Le prêtre aurait besoin de soins. C'est ça, oui. J'ai une potion. Oui, restait une potion, il me semble. La dernière. Vous la donnez au prêtre? Je suis assez pour, ouais. S'il est mal en point, vaut mieux. Donc bah, vous lui donnez la potion, hein, ce qui lui permet de reprendre quelques forces, hein, ou tout au moins de marcher sans aide. Et oui, merci. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'il voulait, mais
apparemment, il voulait, ce que j'ai compris, faire un portail pour invoquer son maître. Son maître ? C'est qui son maître ? Je ne sais pas. Mais j'imagine, vu cette créature, que ça devait être un démon. Certainement. Faut pas traîner. Cet endroit impie. Ne restons pas là. Donc vous quittez, vous reprenez chemin. Je reprends une torche au passage. Je suis le dernier à quitter la pièce et je me retourne. Et je referme la porte. Vous rebroussez chemin. Vous, aucune trace de cette créature ailée. Vous sortez au niveau de... Repassez par la crypte, hein. Repassez à côté du corps du troglodyte, hein. Ressortez au niveau de la crypte, hein. Alors que vous ressortez tous les cinq, un peu éblouis par la lumière du jour, hein. Et c'est à ce moment-là que la caméra commence à s'éloigner doucement de vous, hein. Et commence à s'éloigner de plus en plus. Et on voit cinq aventuriers courageux qui ont permis de sauver un prêtre dont le sang allait permettre d'ouvrir une porte vers les enfers, vers le plan démoniaque, pour faire venir un Balor dans ce monde. Mais heureusement, nos héros ont réussi à sauver cette partie de Faerûn. Mais qui était cette petite créature? Où est-elle? Il s'est sûrement enfui, voyant que son héros est tombé. Et la fin de cette séance. GG. Wouhou! Vous rentrez à la guide. Alduin, hein, en Banaya, qui te demande. Alors, c'est de recrues? Ils étaient très bons. Après, j'ai toujours eu, pour le moment, des recrues qui ont bien fait le boulot, honnêtement. Du coup, j'en ai pas à me plaindre, pour le moment. Très bien. Bien, merci à vous, Louis. Bah, de rien. Besoin de recrues en ce moment. Et elle retourne dans les divers documents et papiers, en poussant un long soupir. Alors que tu quittes son bureau.